De nouveaux bateaux avec à bord des centaines de migrants sont arrivés ce matin sur l'île italienne de Lampedusa. En dépit d'une météo défavorable et d'une mer agitée, les clandestins provenant pour la plupart de Tunisie ont tenté l'aventure pour rejoindre leurs compatriotes arrivés ces dernières semaines en Europe. La plupart des embarcations ont été interceptées au large du littoral ouest de l'île. Les migrants ont été dispersés dans des centres d'accueil. Le mois dernier, Rome avait demandé l'aide de l'Union européenne pour faire face à l'arrivée massive de ces clandestins. La majorité provient de Tunisie et souhaite se rendre en France. Bruxelles a déployé une mission de Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union.